Le long hiver prend fin. Le printemps vient. Il est temps pour l'humanité de labourer le sol et d'apprivoiser la bête. Il est temps pour les enfants de la terre de dresser les pierres de pouvoir. Il est temps d'enchanter à nouveau le pays. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous jouons à Kern, un jeu de Christian Martinez, illustré par Vincent Joubert, édité chez Matago. Un jeu pour deux joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 25 minutes. C'est donc un jeu de stratégie pour deux joueurs. Je dois vous préciser que le jeu nous a été prêté par les magasins Magic Bazar, qui ont deux boutiques, une à Paris et une à Annecy, dont vous trouverez l'adresse sur la vidéo. Et ils ont également un excellent site de vente en ligne, magicbazar.fr. Alors, on va procéder à la mise en place du jeu et on se retrouve tout de suite après le générique. Et voilà, on a quasiment terminé la mise en place là pour notre partie à deux joueurs. De toute façon, Kern est un jeu de stratégie pour deux joueurs. Vous voyez qu'on a devant nous un damier, comme un échiquier, et chaque joueur incarne une tribu de chamans participant au grand rituel du printemps. Et le but de ce rituel est de construire trois mégalithes avant notre adversaire. Alors, la tribu gagnante obtiendra les faveurs de la terre-mère. Alors, je vais vous présenter un petit peu le matériel. Ici, moi, je vais jouer avec les chamans de la forêt. Et ici se trouve mon village de mon côté. Alors, j'ai trois chamans d'emblée sur le plateau en début de partie qui se trouvent ici sur les cases de ma première rangée qui sont libres. Puisque vous voyez qu'ici, il y a une case de totem noir et ici, une case de totem blanc. Et puis j'ai deux chamans qui sont pour le moment au village, mais qui vont pouvoir intervenir pendant la partie sur le terrain. Alors Lou, lui, joue avec les chamans de la mer en bleu, et donc il a placé également trois chamans sur son plateau, sur sa première rangée, et il a également des cases de totems, ici totem blanc, totem noir. Et tu as, Lou, deux chamans dans ton village, village de la mer, ici, de l'autre côté du plateau. Ouais. Alors, on a également chacun notre petit jeton victoire ici. Et l'objectif, donc, comme je viens de le dire, c'est de construire le premier 3 mégalithes. À chaque fois qu'on va construire un mégalithe, on va avancer notre jeton d'une case. Et donc, le premier joueur qui atteint la troisième case remporte la partie. On a également ici des tuiles d'action. Alors, 3 tuiles d'action et une tuile transformation. Je vais vous présenter rapidement les tuiles d'action qui sont recto verso. On a d'abord cette première tuile qui permet, lorsqu'on l'active, de faire rentrer un de nos chamans, de notre village sur la case du totem blanc. Et puis, au verso, de l'autre côté, disons, on fait rentrer un de nos chamans du village sur une case totem noir de notre rangée. Hein. Voilà, donc ça, c'est la première tuile d'action qui permet de faire intervenir un chaman resté au village sur le plateau. Puis, on a une deuxième tuile d'action, la tuile qui permet de se déplacer. Là, ça permet de déplacer un chaman de façon diagonale, voilà, d'une case. Et puis là, de l'autre côté, ça permet de déplacer un chaman de façon horizontale, d'une case. Un de nos propres chamans, évidemment. Là, on a la tuile sauter par-dessus, qui permet là de sauter par-dessus un de nos chamans, hein, directement adjacent, et de retomber de l'autre côté. Et on peut sauter de façon orthogonale ou diagonale. Et ici, on peut sauter par-dessus un chaman adverse. Voilà, de la même manière, orthogonalement ou diagonalement. Et on retombe sur la case libre juste derrière. Voilà, donc on va disposer ces tuiles d'action ici sur ces trois cases. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au sort dans quel sens elles se trouvent en début de partie. Donc je les lance. Là, on aura la tuile se déplacer. Orthogonalement. Ici, on aura la tuile rentrer au village, rentrer sur un totem blanc. Donc moi, par exemple, si je l'active, je peux rentrer un de mes chamans ici sur le totem blanc. Et hop, celle-ci, ce sera sauter par-dessus un adversaire en début de partie. Et ici, nous avons la tuile transformation. Alors, celle-ci, donc vous allez voir qu'à notre tour de jeu, on va activer une des trois actions. Puis, on va vérifier si on peut
faire la transformation. Là, la transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a réussi, après notre action, à constituer ce motif, orthogonalement ou diagonalement, c'est-à-dire deux de nos chamans et un chaman adverse qui soit en ligne, alors à ce moment-là, on bannit le chaman adverse. Il retourne dans son village. C'est ça que ça veut dire bannir le chaman. Et ici, l'autre motif, eh bien, après avoir activé notre action, eh bien, si on se retrouve dans cette position, c'est-à-dire deux de nos chamans entourent orthogonalement ou diagonalement un chaman adverse, alors de la même façon, il est banni. Et lorsqu'on active une transformation, lorsqu'on a réussi à obtenir un de ces deux motifs, on construit également un mégalithe qui nous permet d'avoir un point de victoire. D'accord? Alors voilà, donc voilà pour la tuile transformation. Et de la même façon, hop, et ben on va commencer sur ce motif-là. Il faut que ce soit une ligne de nos chamans suivie d'un chaman adverse. Ici, nous avons les mégalithes. Alors, nous jouons là avec les mégalithes simples. Il y a dans le jeu 7 autres mégalithes de complexité un peu plus forte, a priori. Mais là, pour cette première partie en vidéo, nous allons jouer en mode simple. Enfin, vous allez voir que les mégalithes ont déjà là des pouvoirs relativement différent et intéressant. Alors, donc je les mélange et puis on va en disposer deux en début de partie sur ces cercles de pierre ici au milieu du plateau. Alors, je vais vous les présenter. D'abord, on aura ici un premier mégalithe et celui-ci nous dit quoi? Ça nous permet d'ajouter un chaman de notre village sur la première rangée, sur une case de notre première ligne, à condition qu'elle soit libre, hein, puisque la règle dit qu'il ne peut se trouver sur chaque case qu'un seul chaman et qu'un seul mégalithe. Donc, je le mets en place ici. Puis, nous aurons un deuxième mégalithe. Ce sera donc celui-ci en début de partie sur le deuxième cercle de pierre. Alors, celui-ci, que nous dit-il? Lorsqu'on l'activera, on pourra déplacer un mégalithe d'une case, tout simplement. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Bon, j'ai pas les noms là sous les yeux, mais chaque mégalithe a un nom. Peu importe là pour cette partie. Donc, je le mets ici. Et vous verrez que les mégalithes, eh bien, on active leur pouvoir dès qu'on se déplace, volontairement ou non, dessus. Hein, et on est obligé de le faire. Puis nous aurons également deux mégalithes placés ici, les mégalithes en attente. Alors, on aura celui-ci qui permet de déplacer un de nos chamans ou un chaman adverse, l'un ou l'autre, adjacent au mégalithe d'une case, tout simplement. Donc celui-ci sera en attente. Puis nous aurons ce mégalithe qui permet là tout simplement de rejouer un tour lorsqu'on l'active. Si on va dessus, le tour d'après, on rejoue. L'adversaire passe son tour. Voilà. Et puis, quelques mégalithes encore retournés face cachée qui interviendront dans le courant de la partie. Alors, on va déterminer peut-être au hasard qui commence, Lou. Ok. Hein, et puis, vous allez voir que le jeu est plutôt assez simple, assez stratégique, hein, à la façon d'un jeu d'échecs un petit peu. Voilà, et ça peut être des parties assez rapides parce que faire 3 mégalithes, ça peut être rapide. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Si jamais un de nos chamans réussit à quitter le plateau par la ligne adverse, par la première rangée adverse et à atteindre le village adverse, eh bien, ça permet également de construire un mégalithe. Voilà, et donc de prendre un point de victoire. Mais par contre, le chaman est... Par contre, le chaman, là, n'est pas banni. Il sort, il quitte le jeu. Voilà. Ok, qui commence, Lou? Comme tu veux. Allez, je vais, on va faire le système du jeton. C'est là. Eh ben, tu as trouvé. Donc, tu commences? Ok. Allez, alors, à notre tour, là, comme c'est le premier tour, je vous explique. Lou va choisir une tuile, une des 3 tuiles d'action, va faire l'action qui est indiquée, retourner la tuile, et ensuite vérifier s'il peut appliquer l'effet transformation. Alors, moi, je vais utiliser... Je vais aller là, avec ce pouvoir. D'accord, de déplacement. Et je le tourne. Et tu le tournes. Donc il s'est déplacé de façon orthogonale et désormais le déplacement se fait de façon diagonale. Vous voyez, c'est la petite originalité du jeu, le petit twist qui fait que à chaque fois, il faut anticiper un petit peu sur quelle phase vont se trouver les tuiles d'action. Alors, c'est à mon tour. Je vais activer cette tuile qui me permet de faire rentrer un de mes chamans. Alors, excusez-nous, on a été dérangé. Donc, je disais que je prends un de mes chamans et je le déplace sur le totem blanc comme indiqué ici. Voilà. Et il rentre en jeu, donc. Et je retourne la tuile. Alors,
Lou n'avait pas vérifié s'il avait atteint cette position-là de la tuile transformation, mais effectivement, au début de partie, on ne peut pas le faire tout de suite. Et là, moi non plus, hein. Donc, pas de transformation. À toi, Lou. Moi, je vais utiliser ce pouvoir-là pour aller ici et je retourne le pouvoir. D'accord, c'était le pouvoir de faire rentrer un de tes chamans sur le totem noir. Ok, très bien. Alors, je vais désormais. Je vais activer ce pouvoir de déplacement en diagonale. Et je vais aller là. Et je retourne donc la tuile. Moi, je vais me déplacer ici, comme ça. Ok, donc de façon orthogonale. Donc maintenant c'est en diagonale. Alors. Je vais peut-être me déplacer en diagonale à nouveau, ici. Ok. Moi, je vais aller ici. Hop. Voilà, et je dois activer l'effet. Alors, donc, ok, donc tu dois activer l'effet du mégalithe qui est de déplacer un mégalithe d'une case. Ah, c'était ça, ok. T'es Alors, obligé de le faire. est-ce que je peux déplacer le mégalithe celui-là? Tout à fait. Et tu peux le mettre sous un de mes chamans, il n'y a pas de souci. Simplement, ça n'activera pas l'effet du mégalithe dans ce cas. Ok. Bon, je vais déplacer celui-là ici. D'accord. Alors, c'est à moi. Je vais activer cette tuile action, pardon. Pour faire rentrer un de mes chamans sur le totem blanc, je retourne la tuile et je vérifie la transformation. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, vous pouvez voir que j'ai réussi à aligner deux de mes chamans avec un chaman adverse au bout. Ici, ici, ici. Donc, Lou, son chaman est banni. Il retourne dans son village. Et puis, je retourne la tuile transformation de la même façon. Voilà. Donc, désormais, il faut entourer un chaman adverse pour faire une transformation. Et normalement, du coup, vu que tu as fait la configuration, tu dois prendre un point de victoire et construire un mégalithe. Oui. Mais là, comme j'étais déjà sur un mégalithe, ça fait rien. Oui, alors voilà, effectivement, Lou, bien, bien dit. C'est comme ça que ça se passe. Là, j'ai réussi une transformation. Normalement, je devrais construire un mégalithe sur la case qu'occupait le chaman adverse qui a été banni. Mais là, sur la case qu'occupait Lou, il y a déjà un mégalithe. Donc, je n'en construis pas un par-dessus. Et donc, je ne gagne pas un point de victoire. Dommage pour moi. Alors, je vais me déplacer ici. Hop. En diagonale, ok. Très bien. Alors. Je vais peut-être me déplacer de façon orthogonale avec celui-ci ici. D'accord. Ah, et pardon, et donc du coup je retourne la tuile, bien sûr, Ah, pas que j'oublie. ça change tout. Alors, je vais utiliser cette action pour aller là. Donc c'était quoi, pardon? J'ai utilisé cette action pour aller ici. Ouais, pour aller sur le totem noir, ok. Ouais. Alors vous voyez donc petite chose que je trouve assez dommage dans le jeu, c'est que vous voyez sur les tuiles, c'est quand même pas très clair les symboles. Là, ça permet de se déplacer sur un totem blanc, mais finalement c'est juste le petit point blanc qui le rappelle. Vous voyez au dos, la différence n'est pas flagrante. Alors là en vidéo, vous voyez la tuile en gros plan, mais une fois posée sur le plateau, on la voit pas de si près, et c'est pas très très clair. C'est à moi. Tu n'as pas fait de transformation du coup, hein? Non. Ok. Je peux sauter par-dessus un chaman adverse avec cette tuile action et je vais le faire. Je vais ici. Voilà, et je retourne donc la tuile. Pas de transformation possible. Là, je peux rien faire là, du coup. Enfin, je peux pas te bloquer en fait. Écoute, là, je ne pense pas. Ouais, bah. Après, évidemment, si je décide de quitter le plateau, mon chaman quitte le jeu définitivement. Bah, moi je vais aller ici avec ce pouvoir-là et je vais activer le pouvoir du mégalithe pour aller là. T'as activé ce mégalithe, hein, qui permet effectivement de faire rentrer un de nos chamans sur notre première rangée.
C'est donc à moi. Là, désormais, cette tuile permet de sauter par-dessus un de ses propres chamans, c'est ça? Ok. Je vais le faire. Je saute par-dessus un de mes propres chamans, je vais ici, avec cette tuile. Voilà. Et j'active le pouvoir du mégalithe qui est de déplacer un mégalithe. Je vais déplacer celui-ci ici. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un effet de transformation là? Non. Non. À toi. Moi, je vais me déplacer ici, avec ça. Oui. Et il y a un effet de transformation. Effectivement, Lou a entouré mon chaman ici avec deux de ses chamans. Donc je suis banni. Mais comme il y a un mégalithe sur la place, eh bien tu ne prends pas de point de victoire et tu n'en construis pas un nouveau. Et donc on la retourne. À moi. Alors, vous voyez, donc un petit point de règle également à éclaircir là ensemble, c'est que là, vous voyez que je me retrouve dans la situation de cette tuile, transformation, c'est-à-dire deux de mes chamans alignés avec un chaman de loup au bout. Mais il faut savoir qu'on ne peut activer la transformation que si un des chamans concernés, a fait une action pendant ce tour. Hein. Voilà, donc ça ne va pas s'activer automatiquement. Il faut d'abord faire une action et ensuite on vérifie. C'est donc à moi. Je vais activer cette tuile pour faire rentrer un de mes chamans sur. Attends que je fasse pas de bêtises. Hein. Ouais. Sur le terrain, sur le totem blanc, ici. Voilà. Et donc là, je n'active pas la transformation puisque les deux chamans qui se trouvent là. Pour le faire, n'ont pas bougé. Moi, je vais utiliser cette action, donc je vais me déplacer ici. Et il y a un état de transformation. Donc, hop. Ah, ah non. Alors, je suis banni. On tourne ça. Ouais, ok. Ça me fait un point de victoire et je dois construire un mégalithe. Voilà, un des deux qui se trouve ici. À la place que j'occupais. Mince, j'avais pas fait attention à ça. Ok, bien vu, Lou. Un point pour toi. Dans ce cas, c'est à moi de jouer. Ok. Je vais me déplacer de façon orthogonale. Ici, tant pis, je sors mon chaman du plateau. Ce qui me permet de... Alors, on avait oublié de renouveler le mégalithe absent. Donc, on aura quoi? Voilà, ce cercle de pierre. Et là, le chaman adjacent au mégalithe est banni lorsqu'on l'active. Voilà, bannissez un chaman... Alors, attendez. Bannissez un chaman adverse adjacent à ce mégalithe. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'était où, pardon? Lou? Là. Oui, sur la case que j'occupais avant de quitter le plateau. Et t'as oublié de tourner la tuile. Voilà, ok, j'ai tout oublié. Et je marque un point. Voilà. Et c'est à toi. Alors, moi, je vais aller ici, hop, avec cette action-là. Ok, ouais. Déplacement diagonal. Et puis, j'ai le droit de rejouer. Tout à fait, tu peux rejouer. Et je vais aller ici. Encore un déplacement. D'accord. C'est donc à moi de jouer. Alors? Oui. J'arrive. Je vais activer cette tuile. Ah, attends, non. Non. Non, si je fais ça, c'est risqué quand même. Pas évident là. Ouais, je vais activer cette tuile pour me déplacer en diagonale. Je vais là. Voilà. Ok.
À toi. Alors, moi, je vais utiliser On a ce... oublié de remettre un mégalithe Ah, ici. d'accord. C'est quoi? Celui-ci, à quel effet? Ce sera un mégalithe en attente. Eh bien, tout simplement, on déplace un chaman de ce mégalithe sur un autre. Voilà. Je le mets en place ici. Voilà. Alors, bah moi je vais aller là. En te déplaçant, ok. Alors, vous voyez, donc je voulais vous montrer de plus près. On a des jolies figurines hein, dans ce jeu qui sont fournies dans la boîte. Je vais essayer de faire la mise au point là. Voilà, vous voyez. Voilà, et chaque figurine est différente. Donc, ça, c'est plutôt assez appréciable. Voilà. Je sors pas du plateau. Ouais, elle a quitté Ah le plateau, elle. C'est à moi, Lou? oui. Ok. Que je vais faire, je vais me déplacer en diagonale. Non, attends, non, 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 ça c'est pas une bonne chose. Je vais plutôt, attends 2 secondes, je vais plutôt, pas évident, je vais sauter par-dessus un chaman adverse. Je vais là, ici. Et puis je fais l'effet du mégalithe, qui est de rajouter un de mes chamans sur le plateau. Je vais le mettre ici. Ou j'hésite encore là. Ouais, je vais le mettre là. Alors, moi, je vais aller ici. Alors en te Attends, attends, attends. déplaçant diagonalement. Parce que sinon, là, je vais me faire avoir. Attends. Ah oui, vous voyez, c'est un jeu qui demande un petit peu de réflexion hein, quand même. Hein. Voilà. Parce que Je vais là, chaque aller erreur peut être fatale. Hein. ici. Ok, en diagonale. Pas de transformation possible là, Lou? Non. Non. D'accord. Très bien. Dans ce cas. Je vais aller. C'est pas évident. Là, on peut sauter par-dessus un de nos propres chamans, c'est ça? Ah, oh, j'avais pas vu. Ok. Eh bien, je vais le faire. Je saute par-dessus un de mes propres chamans, comme ça. Voilà. Pas de transformation possible. À toi. Ok. Je vais aller là. Voilà. Et je vais déplacer un mégalithe ici. Ah non, tu déplaces ce mégalithe d'une case, je crois. Déplacer un mégalithe d'une case. Ah, pardon, autant pour moi. Non, non, excuse-moi. Ok, tu déplaces celui-ci ici. Ok. Et t'as retourné la tuile? Ouais. Très bien, c'est donc à moi. C'est parti. Dans ce cas, je joue ici en diagonale, ici. Voilà. Ce qui me permet, il n'y a pas de transformation, hein, mais ce qui me permet de rejouer. N'est-ce pas? Ça me permet de rejouer. Et donc, je vais faire un saut par-dessus un chaman adverse. Ici, je retourne la tuile et j'active le mégalithe, qui me permet de bannir un chaman adverse adjacent à ce mégalithe. Je vais bannir, disons, t'en vas, celui-ci. Voilà. Il est retourné à son village. Ah bah non, attends. Ah bah non, parce que si je veux faire un point, il faut que je puisse mettre un mégalithe, hein, c'est ça, Lou. Hein. Comment? Si je veux faire un point, il faut que je puisse mettre un mégalithe sur la case. Ouais, je crois, ouais. D'accord. Bah, bannissez un chaman adverse adjacent à ce mégalithe.
Non, 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 ça va pas me faire un point de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc je bannis celui-ci. Ok, Mais je ça me va construis pas très de bien. mégalithes. On construit des mégalithes que lorsqu'un de nos chamans sort du terrain par le village adverse ou lorsqu'on leur réussit une transformation. Alors je vais pas bannir celui-là, Lou. Excuse-moi, je bannis celui-ci. Pourquoi? je viens de voir mon erreur, donc voilà. Oh, de toute façon, c'est pareil. Je le sens mal là. On va voir. Allez, à toi. Je suis pas très à l'aise dans ce jeu là. Il y a un partout, c'est serré. Wow, c'est pas terrible, hein? Ah bah si, c'est parfait. Regarde. Avec celui-là, je vais là. Hop. Je tourne ça. Il est banni. Il est banni, mais pas de mégalithes à la place, donc pas de points. Ouais. Ok. On retourne la tuile quand même. Ah oui. Oui. Oula. Et c'est donc à moi. Je vais, grâce à cette tuile, faire rentrer un de mes chamans sur la case du totem noir, ici. Et je réussis cette transformation. Donc je bannis celui-ci. Mais pas de mégalithes, pas de points. Je retourne cette tuile, je pense, hein. Ouais, voilà. Moi, je vais utiliser là avec cette action. Ouais. Ah mais non, attends, ça a changé Ouais, ça le... a changé. Désormais, il faut entourer Ok. le chaman adverse. Bon bah alors je vais aller là. Hop. Avec cette action. Et donc c'est encore à moi. Tu rejoues un tour. Ouais. Franchement. Ouais, bah. Je vais me sauter par-dessus. D'accord. C'est à moi. Je vais activer ce saut par-dessus un chaman adverse. Attends. Non, non, si je fais ça, non, ça ne le fait pas du tout. Ouais, si je vais le faire. Je saute par-dessus un chaman adverse ici. Ok. Voilà. Ok, pas de transformation à toi. Moi, je vais faire l'action de me sauter par-dessus. Donc je vais là, hop, je sors du terrain. Ah, tu as le droit effectivement de sortir du terrain et donc de marquer un point. Ah bah non, puisqu'il faudrait que tu puisses mettre un mégalithe ici, ce n'est pas le cas. Ah bah non, bah... Ah oh ouais, c'est nul en fait. Ah oui. Ah mince. Ah bah attends. Alors tu le fais pas. Non, parce que... D'accord. Non, bah je vais plutôt faire hop, comme ça. Ok, Voilà. alors là tu peux marquer un point et construire un mégalithe ici, là où tu te trouvais. Alors. Celui-ci, tu déplaces un chaman adjacent au mégalithe, et là tu déplaces un chaman de ce mégalithe vers un autre. Ok. Est-ce qu'on peut mettre un mégalithe même s'il y avait un... Ah oui, non, ok. Non. C'est à moi? Très bien. Alors. Ah, j'ai oublié de marquer un point. Ouais, et tu oublies de remettre la nouvelle tuile. Alors, celle-ci, c'est quoi? Le chaman sur ce mégalithe peut se déplacer d'une case. Enfin, doit se déplacer d'une case. Et tu le mets donc ici. Voilà. Voilà. C'est à moi, Lou? Ok. Donc là, l'effet de transformation, il faut entourer un chaman adverse. Très bien. C'est pas évident. Je vais me déplacer quand même. Non, bah non. Si, je vais me déplacer diagonalement. Je vais là. Je retourne la tuile. J'active ce mégalithe. Je dois déplacer un mégalithe d'une case. Je dois déplacer un mégalithe d'une case. Écoutez, je vais peut-être. Je sais pas. Je sais pas trop, je vais me déplacer un mégalithe d'une case. Ouais, je vais déplacer celui-là ici. Ok. Voilà, et c'est tout. Ah si, un effet de transformation là quand même. Ouais. Je me suis déplacé. Donc effet de transformation, tu es banni.
Je retourne la tuile, mais par contre, pas de point de victoire, pas de nouveau mégalith pour moi. Moi, j'aurais déplacé celui-là plutôt, parce que là, je vais me déplacer ici. Hop. J'applique l'effet du mégalith, essayer de bannir un chaman adverse adjacent à ce mégalith. D'accord. Hop. Mais pas de points. Ouais. Ok. Non, mais dans tous les cas, ça fait pas de points. Très bien. C'est à moi. Ouais. Ah, là, on est sur une partie, on est sur une partie longue, là. C'est parti, donc. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais me déplacer en diagonale ici. Et je peux faire rentrer un de mes chamans sur ma première rangée. Je vais le faire rentrer ici. Et dans ce cas, je dois déplacer un chaman adjacent à ce mégalith d'une case. Je vais le déplacer ici. Et je vais rejoindre un tour. Ah oui, on peut comboter comme ça, les effets des mégalithes s'enchaînent. Hein. Donc c'est à moi à nouveau. Dans ce cas, je vais peut-être... Je vais sauter par-dessus un de mes chamans, comme ça. Je réalise l'effet de transformation. Ouais, mais c'est abusé. Tu es banni. Mais tu ne peux toujours pas mettre de... Ben non. Non, non, par contre, t'as plus de chaman sur le plateau, Lou. Bon, ben, je vais rentrer. À toi. Hop. Ok. Je joue peut-être ici... de façon orthogonale, je retourne la tuile et là je dois déplacer un mégalith d'une case. Je vais déplacer déplacer un mégalith d'une case. Je vais déplacer celui-là ici. Voilà. À toi. Moi, je vais aller là. Avec cette tuile action, d'accord. Attends. Ah bah non, je vais faire bannir tout de suite. Non, je vais plutôt me déplacer. Non. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ici. D'accord, en diagonale. Ok. Oui, c'est à moi. Je me déplace de façon orthogonale ici. Et je dois bannir un chaman adverse, hein, c'est ça? Voilà. Il n'y en a pas. Adjacent au mégalith en question. Il n'y en a pas. Moi, je vais utiliser ce pouvoir. Hop. D'accord. Allez, on va y aller. Je saute par-dessus un chaman adverse. Ici, je quitte le terrain. Ah ben, ah ben non, 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 ben non. Non, 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 puisque ça ne me permet pas de construire un mégalithe, il y en avait un déjà à ma place. Ok, donc ça ne m'intéresse pas. Ok, ok, alors je vais plutôt... Je vais me déplacer en diagonale ici, voilà, et j'applique l'effet du mégalithe qui est de rejouer. Je rejoue immédiatement... C'est pas facile à gérer ce jeu. Hein. Je vais me déplacer peut-être. Non, ça va pas le faire. Je vais me déplacer de façon. Non, non plus. Je me déplace de façon orthogonale ici. Voilà. Très bien. À toi, Lou. Ok. Moi, je vais aller là avec le pouvoir. Ok, le pouvoir qui te permet de rentrer sur une case totem, hein, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, allez, pas simple cette partie-là. Je vais jouer en diagonale ici. Voilà, pas d'effet de transformation, toujours pas. Là, il faut encercler un chaman adverse. Hein.
Ok. Deux un pour toi, c'est ça? Ouais. Rail. Je vais me déplacer là. Hop. Tu sautes par-dessus mon chaman, oui. Ouais, avec cette tuile. Et je dois déplacer un mégalithe d'une case. Oh bah, je vais déplacer celui-là ici. D'accord. C'est à moi donc. Ce que je vais faire. J'ai fait ça. Ah oui, je crois que je sais. Je vais certainement me déplacer de façon orthogonale. Tu vas pas marquer. Ah oui. Ici. Voilà. Toi. Moi, je vais me déplacer. Ah oh, ouais, parfait. Je vais me déplacer là. Avec ça. Non. Et donc, hop, banni, je construis un mégalithe et je marque un point. J'ai gagné. Ah, bravo. Ok, ah ouais, non, erreur fatale là, effectivement, de ma part. Tu remportes donc cette partie, Lou, bravo à toi. Bravo. Bien joué. Ouais, ok, tu menais 2-1, hein, c'est mérité. Hein. J'ai fait cette erreur. Je pense que j'ai été un petit peu passif aussi, parce que là, je me disais, tiens, je suis proche du terrain adverse, il faudrait que je quitte le terrain. Hein, après tout, j'aurais pu essayer de quitter le terrain Mais non, mais c'est deux ce que tu. fois. Ouais, mais c'est ce que tu devais faire. T'allais là et tu quittais le terrain et puis t'en amenais un autre et. Bah ouais, c'est ce que je commençais à penser, mais malheureusement, bah t'as agi avant moi. Donc bien joué, Lou, tu remportes cette partie. C'était donc une partie de Kern, là, un jeu de stratégie, bah relativement sympa tout de même, hein. Avec moi j'aime bien la mécanique des tuiles d'action. J'aime un peu moins la mécanique des mégalithes, hein, qui vient pour moi un petit peu interférer. Mais c'est-à-dire que ça donne quand même beaucoup beaucoup de choix. On a un petit peu de mal à anticiper, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette partie. Je vous rappelle que le jeu nous était prêté par les magasins Magic Bazar Paris et Magic Bazar Annecy. Et ils ont également un site de vente en ligne, magicbazar.fr. Donc un très bon site sur lequel vous trouverez énormément de références. Voilà, donc on se dit à bientôt. À bientôt! On va se retrouver très vite pour une nouvelle partie d'un autre jeu. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Salut!